Bah ça y est, il y a encore de la musique. Bon bah on peut pas faire l'intro tout de suite. Parce qu'on m'entend plus là, on m'entend plus. Allô YouTube, est-ce que vous m'entendez? Oh. Pouette, 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 pouette. Alors vous inquiétez pas hein, si vous avez de l'image que au milieu de l'écran, c'est normal. À cette époque, on jouait sur des télés cathodiques en 540 pixels. Et encore, on pouvait pas vraiment parler de pixels. Hein. Pixel, c'était un bien grand mot pour l'époque. Alors non, c'est pas clap bonjour. Je sais que YouTube, tu attends l'intro. Mais je te ferai l'intro après ça, parce que là, il y a trop de bruit, là, on s'entend même plus. Là. Boing. Alors vous pourrez également apprécier les superbes effets sonores tout au long de ce jeu. Alors, est-ce que déjà, Maybe, comme ça qu'on prononce ton pseudo du coup je suppose, est-ce que Maybe tu as reconnu le jeu? Est-ce que tu connais le jeu déjà? Jeu PlayStation, hein, PlayStation 1, la première, vous n'étiez pas né. Vos parents portaient encore des couches, je pense. Petit Zozio. Ouais, je connais, c'est Flappy Bird. Je connais ce jeu. Mais par contre, les musiques sont quand même pas mal. Hein. My... Ok, pardon. Ah oui, tu es de 2006, effectivement. Donc tu ne connais pas, eh oui. Alors ? Et voilà Croc, la légende des Gobos. Alors on va faire l'intro là-dessus. Bonjour bande d'élèves, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette intro. Alors Croc, ça va changer un petit peu du précédent jeu, du précédent let's play que j'avais mis sur ma chaîne, puisque et ben c'est vraiment un jeu pour enfants ça. Hein. Autant, donc là je viens de finir... Enfin, vous venez de finir plutôt les VOD de Blair Witch. Et là, ça va changer un petit peu. Hein. Vous voyez, pas du tout la même carrure. Hein. Donc, salut Croc. Enchanté. Ah ben, il a disparu. Mon effet tombe à l'eau. Alors, est-ce que mon pad fonctionne? Yes. Si on fait Start, ça fonctionne. Donc, jeu PlayStation 1. Jeu sorti en 97. Je l'ai dit avant de lancer la VOD. Mais voilà. X to select. Alors certains disent X, d'autres disent croix. Moi je dis X hein, parce que pour moi une croix c'est comme ça et pour moi un X c'est comme ça quoi, en X hein. Donc je veux bien mais voilà. Ben start ouais. Alors je sais que je l'ai poncé le jeu quand j'étais gamin, mais je ne m'en souviens absolument pas, pas du tout. En fait j'ai vu le nom et puis alors évidemment le joystick ne fonctionne pas, hein. À cette époque il n'y avait pas de joystick. Le joystick est arrivé quand même bien après. Par contre il faut que je baisse le son là parce que c'est assez horrible. Je n'ouïe rien. Alors, waouh, on peut reculer, d'accord. Donc c'est avancer, tourner à droite, tourner à gauche et reculer. C'est pas comme du déplacement en monde 3D où quand on recule ça nous fait faire demi-tour. Hein. C'est là attention. Bon bah attends déjà on va aller chercher. Waouh, à l'aide A l'aide, à l'aide. Moi je sens que ça va être très très dur. Oh, j'ai pu faire un petit demi-tour là. Comment est-ce qu'on attaque? Comme ça, ok. Ah non, j'ai tout perdu. Hey, salut Ishtar. Alors, l'histoire ou le fil conducteur, je t'avouerai que je m'en souviens même plus. Hazou. Mais en gros, tu es Croc, un petit crocodile. Et bah tu dois sauver tes potes. En gros il y a un méchant qui est venu, enfin ce qu'on a vu là dans la vidéo juste avant, il y a un méchant qui est arrivé dans la plaine où tu vis avec les petits gobos, et bah ils se sont fait enlever, donc tu dois les retrouver. Kapou, kapou. Oh j'aime bien ce son. Kapou.
Oh mon dieu! Alors, je me souviens que quand on était gamin, en fait, on a eu ce jeu après avoir joué à Spyro the Dragon. Et du coup, moi, ce que j'en ai ressenti à l'époque, c'est que ça, c'est une espèce de pâle copie. Voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir, puisque Spyro, c'est quand même un jeu. Quand même un jeu, voilà. Une grosse aventure et tout. Ça, c'est un jeu pour 3 ans et plus. Hein. Donc, voilà, faut pas non plus en attendre trop. Mais sinon, oui, ça va. Parfaitement. Voilà, donc lui, je l'ai sauvé. Ça m'en fait donc un. Parfait. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur. Bam. Allez, ça c'est fait. Alors, je suppose qu'il faut pas tomber là-dedans. Oh, lui, je vais aller le buter. Oh, lui, je vais me le faire. Tiens, tu l'as vu, celle-là? Ah, il y reviendra pas de sitôt, moi, je dis. Je peux sauter là-haut? Ah, faut que je passe par là. Donc, c'est carrément un jeu de plateforme aventure, quoi. Mais donc, de la 3D, gentiment. Est-ce que je peux me le faire, lui? Oh, le temps! Le temps que prend la super attaque! Ah, il est monté. Je pense qu'il venait pour me déglinguer la gueule. Blam! Ce que je lui ai mis. Oh, le pro gamer! Alors, c'est injouable. Et pourquoi est-ce que je hurle? Parce que je m'entends pas, en fait. Voilà, ça va saturer sans arrêt. Je vais baisser un petit peu le son du micro. Parce que je vois que je suis sans arrêt dans le rouge. Ça ne va pas, ça. Heureusement que vous avez un compresseur. Ah oui, là, on est sur du jeu de type adulte, là. Je vais mettre un petit 18+, là. Et oui, il faut bien anticiper les ennemis. C'est ça, les vieux jeux. Maintenant, on est habitué aux 244 Hz sur les écrans et tout. Temps de réaction minime. Là, fallait carrément penser l'action avant qu'elle arrive. C'était un autre niveau de jeu. Oups. Voilà, exactement ce que je disais. Il fallait penser l'action avant. Et là, du coup, j'ai sauté beaucoup trop tard. Peggy 18. Non, c'est comment qu'ils disent en anglais, c'est... Peggy 18. Voilà. Alors attention, on va essayer de pas se remanger la lave. Hein. Alors j'aimerais bien me mettre en face. J'ai l'impression que je me penche parce que j'ai l'impression que ma caméra est pas en face. C'est super chiant. Alors attention. Ouh! Ah! Ouh! Ça s'est pas passé loin. Je suis où? Ouah! Je me suis raccroché! Il peut se raccrocher! Mon dieu! Oh! Oh! Wow. Alors attention, là faut prendre de l'air. Mais tourne-toi, caméra, bon sang de bois. T'as pas connu Ishtar non plus, tu n'as pas connu ce genre de jeu. Oh my god. Ah, celle-ci elle va se casser. Ouais, ouais. C'est bon, je me suis pas fait avoir. Superbe. Ouais. Bien, bon voilà, donc ça c'est vraiment le niveau de découverte et j'ai réussi à me bouffer deux ennemis quand même. Eh ouais, non mais Spyro, une balle. En fait le truc, j'ai pris Croc parce que je voulais refaire les Spyro aussi en live, mais j'ai vu qu'il y avait un remastered de Spyro et j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient fait et du coup ça m'a un petit peu dégoûté. J'ai plus trop envie... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais je voulais pas finir le niveau, moi. Moi, j'ai voulu aller taper là-dedans parce que je me suis dit ça va être drôle, mais j'avais pas envie de finir le niveau. Alors, merci. Oui, effectivement, Maë, il ne faut pas oublier de dire à YouTube de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche, sur le bouton juste à côté, après t'être abonné. Et le pouce bleu, évidemment, le pouce bleu, si vous trouvez que le contenu est de qualité. Voilà, tout à fait. Et ben voilà, start level. On va recommencer du coup. Enfin, je sais même pas si ça recommence ou si ça passe à la suite. Parce que là, moi, j'ai fini le niveau, mais je savais même pas que ça finissait le niveau. Alors, faut savoir aussi que les jeux PlayStation 1, vous étiez lâchés dans le jeu comme ça. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les jeux PlayStation, c'était des jeux pour hardcore gamers.
parce que vous étiez lâché dedans. Et c'était démerde-toi, tu veux un tuto, tu te démerdes. Et tu n'allais même pas voir le tuto sur Internet. Hein. À cette époque-là, Internet c'était du 56K. Ishtar qui vous dit coucou YouTube. Évidemment. Un petit papillon. Je peux. Veux-tu être mon ami? Alors là, je me dis qu'on peut monter ici, c'est obligé. Comment ça marche? Oui. Oui. Eh, on dirait qu'il souffre hein, quand il grimpe. Oui, on peut. Allez, sprint. Oh, c'est injouable. A l'aide. Pourquoi j'ai eu envie de refaire ça? D'ailleurs, en termes de rétro gaming, si vous voulez donc voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait... Comment ça s'appelle déjà? Bah oui, les vrais n'ont pas besoin de tutoriel. J'ai fait Earth of Darkness. Non, Earth of Darkness. Quoi? D'où il m'a touché? Je l'ai tapé. J'étais encore super loin. Là, je suis pas d'accord, hein, monsieur l'arbitre, il va falloir marche arrière. Je vais faire un tut, tut, tut à chaque fois. S'il te plaît. Veux-tu bien rentrer dans mon atmosphère, presque, dans mon inventaire? C'est quoi que j'ai vu, là? J'ai cru voir un truc énorme. Non. Pas de dégâts de chute, on aime. Ouah, la caméra qui a du mal. Voilà, c'était sûr. Hein. Dès qu'il y a des craquelures quelque part, de toute façon... C'est qu'on peut passer à travers avec le super saut. Oh God. Ah, là il faut une clé je suppose. Hein. Voilà, donc en même temps, il n'y a pas de tuto. Mais je rappelle que c'est un jeu 3 ans et plus. C'était quoi ce petit bruit? Bonjour, je vous ai sauvé. Soyez éternellement reconnaissant. Yazoo. À l'aide. Exactement. Alors, quand j'aurai plus d'émotes, je ferai une émote à l'aide. Parce que ça, c'est très important, je trouve. Tiens, mange mes fesses. Oublié. En plein à côté. Spilch. Mais bon, pour débloquer une nouvelle... Ah ouais, il peut s'accrocher, mais je m'en souvenais pas du tout. Pour débloquer une nouvelle emote, il faut que j'atteigne les 15 subs. Et là, actuellement, je suis à... Ben, je le vois pas. Je crois que je suis redescendu à 0, là, pour l'instant. Parce qu'il me faut 15 subs en même temps. Bam! Allez! Est-ce que je pouvais monter, là? Ça m'étonnerait. Hein. Ah, il fallait que je passe par la caisse. Mais quel blaireau! Et puis bien sûr, on peut pas bouger la caméra. Quoi? Il y a la clé là-haut! Ah ouais, mais à tous les coups, ça repop. J'espère, hein. J'espère, hein. Bah, je sais pas si t'aurais adoré m'avoir comme prof. Hein. Demande à mes élèves. Parce que, qui te dit que je suis. Là, je suis gentil parce que je suis en live, parce que je suis chez moi. Parce que j'ai pas des élèves qui m'embêtent. Mais qui te dit que. En tant que prof, non, en général mes élèves m'aiment plutôt bien, enfin ceux que je punis pas trop, ceux qui m'embêtent pas en fait, ceux qui m'embêtent pas ils m'aiment bien. Alors si t'es du genre à embêter tes profs, bah tu m'aimerais sûrement pas. Oh caméra tourne, je t'en prie. Alors je me souviens aussi que j'avais un jeu, et dans ce jeu, tu pouvais régler la caméra en dynamique, ça ne changeait absolument rien. Alors Maë demande de dire en commentaire sous la vidéo si je suis un prof sympa ou non. Donc lâchez-vous dans les commentaires, tout en respectant... Voilà, boum, ça c'est fait. Donc lâchez-vous dans les commentaires tout en respectant quand même les règles de bienséance habituelles. Mais dites-lui du coup. Et boum! Oh! Au secours.
Ouais. C'est quoi ça? Il faut avoir les 5. Et moi j'en ai que 3. Il me manque la jaune et la violet. Je t'assure. Je puis t'assurer qu'il y en a. Bon, donc je peux pas récupérer la clé et puis libérer l'autre là-bas. Ça, vous voyez, ça c'est du jeu punitif. Ça c'est du jeu, quand tu as raté une étape, tu recommences, c'est tout. Exactement, bah, mais ça, il faut l'expliquer à mes élèves. Si tu es chiant avec un prof, bah, t'as des chances de rater ta scolarité quand même. Oula. Après voilà, il y en a qui sont chiants et qui pour autant ne ratent pas leur scolarité. Hein. Parce que il y a un petit pourcentage d'élèves qui sont très bons et qui en écoutant que d'une oreille arrivent à suivre les cours. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les élèves. Il y en a beaucoup qui en sont incapables, donc eux, ils feraient bien d'écouter. Allez, on continue. Je ne sais pas du tout combien de temps dure le jeu, hein, par contre. Donc on est peut-être là pour 150 heures. Je ne sais pas. Alors, effectivement, il y a encore de bons élèves, voire même de très bons élèves, des élèves super sympas. Moi, j'ai vraiment des élèves qui restent discuter un petit peu en fin de cours, d'autres élèves aussi qui viennent des fois en intercours discuter, bizarrement, surtout en hiver. Ils viennent bavarder pendant les récrés, surtout en hiver. Rigolo, hein. Non, mais voilà, c'est normal. Je peux aller chercher un truc là-bas. Mais voilà quoi, il y a des élèves qui sont super sympas, avec qui t'as le dialogue facile, hein, ça c'est sûr. Hein. On parle beaucoup des mauvais ou des élèves un petit peu chiants et tout. Je dis mauvais, voilà, j'ai réfléchi avant de dire mauvais parce que c'est pas des mauvais élèves. C'est des élèves qui ont pas les bons codes ou qui ont été déçus par quelqu'un ou quelque chose et puis voilà. Donc je peux comprendre. Oh, je vois, ça fait des flèches. Nouvelle mécanique de jeu, attention. Je vais encore tomber, c'est sûr et certain. Voilà le petit bouton. Allez, boum. Comment la caméra gère quand t'es contre un mur? Elle gère pas. C'est simple, elle ne gère pas. Waouh. Voilà, ça c'est fait, j'en ai plus. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? D'accord. Et oui, voilà. Oui, des élèves studieux, il y en a toujours. Hein. Heureusement. Est-ce que je descends direct ou est-ce que je vais là-bas? Faut faire un choix. Comment ça, un mur? J'ai pas vu de mur. De musique. Shazam! Ouh, c'est un film ça, non? Alors, où suis-je? Où vais-je? Où cours-je? Ah! C'est le petit jeu. Il faut que je trouve dans lequel il est. Aidez-moi! Oh fuck! Wow! Alors, lequel selon vous? Le chat, je vous écoute. Moi, j'ai mon idée. Ah, mais ils sont complètement tarés, hein! Alors Ishtar dirait droite, Maé, à ton avis. Bon, faut pas avoir cligné des yeux, parce que c'était rapide. Hein. Le chat, pareil, hein, en commentaire, vous me dites sous lequel vous pensez que c'est. Évidemment. Allez, on va se mettre à faire le vrai youtubeur qui pose des questions aux gens qui regardent. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait.
je te dis, y a des élèves qui s'en sortent droite aussi. Et ben, c'est ce que je pensais. Donc on est trois à penser droite. Alors monsieur Maé, vous n'avez pas suivi? Vous pourriez au moins faire semblant de suivre. Yes, c'était bien ça, on avait tous raison. Eh bien, bravo. Wow. Mais oui, il suivait, voyons. Donc t'inquiète pas qui suit, hein. Il a eu le temps d'y penser. Alors, quelle est cette chose? Est-ce que je peux les buter ou est-ce que je me fais tuer? C'est des petits rats après tout. Il va me courir dessus. Oh, il m'a fait peur. Viens là, toué. Bam, allez. Alors cette caisse, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'était quoi ce bruit? Ah, c'est quand ils réapparaissent, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, mais... Je monte. Ah. Ah, attends. Est-ce que par hasard, je peux... Avance, bon sang de bois. Wouhou, je fais de la glisse. Est-ce que je peux pousser cette caisse par hasard? Mais oui! Oh, that game. Alors, cette fois-ci, on ne rate pas la clé. Bam, allez, ça c'est fait. Est-ce que vous croyez que je peux l'atteindre, lui? 100%, hein. On va reculer un peu. On se met bien en face. Let's go! 100% que non. Raté. Je vais me faire encore foncer dessus par l'autre, je vais avoir peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Lui, c'est bon. Tu utilises le théorème de l'intelligence collective. Bah, t'as bien raison. Quelle idée d'être sociale. Vous moquez pas. Je sais que ça a pas fonctionné comme prévu, mais vous moquez pas. Alors, attends, on va repousser ça. Non, descends. Pas envie de me faire... Non, ils me voient pas parce que je suis pas sur leur trajectoire, c'est ça? C'est beau les jeux vidéo. Ah! Hein? Ah. J'ai cru que je l'avais poussé. Trop loin. On dirait bien quand même, hein, malgré tout. Ouh. Ah, vite! Je vais rater mon train! Bah, c'est trop tard. Yes! Oh! Oh, c'était un move, ça? Vous avez vu un peu? 3 ans et plus, hein. Heureusement qu'il y a et plus, parce que sinon... Alors, c'est quoi ce ballon? Ça m'intrigue. Forcément, hein. Vous aussi, hein. Ah, d'accord. Oui, bah, je recommence, alors. Bah, c'est le problème de pas avoir de tuto. Il faut tout tester. Non, non! Tout va bien. Franchement, tout va bien. Eh non, mais je suis sur un jeu 3 ans et plus, hein. Et j'arrive à me flipper comme ça. Alors attends, il se passe quoi là? Ok, forcément la caméra ne tourne pas. Hein. Alors là. D'accord, donc il faudra que je pète toutes les caisses aussi. Ouah, qu'est-ce qu'il me veut lui? A l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Au secours, je ne fais que passer. Arrête de pousser ça, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort, lui, ou pas? M'a fait peur. Laisse-moi tranquille. Alors, est-ce que je peux faire ça? Yes. Je pensais que je pourrais rebondir sur chaque caisse, mais apparemment non. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut bien, surtout, c'est ne pas casser celle du bas d'abord, évidemment. On va essayer d'être intelligent. Bon, j'ai pas du tout envie de voir ce qu'il y a dans le puits, hein, parce que j'ai vu l'espèce de je ne sais pas quoi, là, le ver solitaire. Voilà. J'ai essayé de maintenir marche arrière
pour voir si je pouvais faire les deux d'un coup, mais ça n'a pas fonctionné. Bon ben voilà, petite salle rondement menée. Avec une musique digne des plus grands trains fantômes. Oui! Mais en plus, quand tu cours, ça tourne tellement mieux! Donc, oui, je peux te donner la chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est juste Baba STP. Voilà. En fait, à la base, moi je m'appelle Bastien et mon nom de famille commence par un P. Donc, j'avais mis Babast pour mon prénom et P pour mon nom de famille. Il y avait un point normalement entre les deux. Sauf que Google et donc YouTube se fichent complètement du point. Pour eux, ça n'a aucune valeur. Donc, ils m'ont viré le point. Donc ça fait Baba STP. Et beaucoup de mes élèves croyaient que la chaîne, c'était Baba s'il te plaît. Voilà, alors que non. Pardon, pas du tout. Alors par contre, ne prends pas peur. Il y a zéro montage sur les vidéos que je mets sur YouTube. Je mets juste des cuts. D'ailleurs, là, il est 27. Eh ben tiens, on va faire un cut à 30. Mais j'attends la plateforme, mais en fait, elle ne retombe pas, c'est ça. On va faire un cut à 30, quand ça fera 30 minutes que je serai en live. Et puis, je referai donc une autre vidéo. Voilà. Parce que sinon, je fais des VOD qui durent l'infini. Oh, bah ça y est, je vais tout avoir. Je fais des VOD qui durent à l'infini. Et je suis obligé de faire des cuts dégueulasses. Il n'y a pas d'intro, pas de... Y a rien du tout. Là, je vais essayer de me rappeler hein, toutes les 30 minutes. Yazoo ! Wouhou ! Oui, niveau bonus ! Pouette pouette ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui ? C'est comment déjà dans The Mask ? Yes, oui, Chico de la Lila. Qu'est-ce que... Oh ! Un mouton ! Ah ! Oh, yes ! Je l'ai eu ! Il est là ! Là ! Non, je l'ai raté ! Ah, il a tourné ! Non ! Il bouge tout seul. À l'aide, ils se foutent de moi. Je rappelle, hein, 3 ans et plus. Mais... Par contre, on est d'accord que celui du milieu, il fait clairement... Celui du milieu, il fait clairement le bruit de... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Tout poilu dans Star Wars. Oh la mémoire. Oh c'est plus l'heure à laquelle je réfléchis moi. Vous l'avez, je sais que vous l'avez. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai Jar Jar Binks en tête, mais... Jeu 3 ans et plus. On peut, hein. On peut tout à fait, hein. Attends. Rétro Enfance Gaming, 3 ans et plus. Oh, dis donc, mais c'est qu'il y a carrément du son. 3 ans et plus. Et voilà. Parfait. Voilà, c'est mis à jour. Si vous voyez pas le titre, faites F5. On voit... Ah, on voit ma souris quand je passe dessus. Trop bien, ça. C'est que ma souris s'intègre dans la fenêtre. Yeah! Et oui, 465 abonnés sur YouTube, et attention, je te le dis à toi aussi Maë, parce que tu ne le sais pas, quand j'atteins les 500 abonnés, je me fais un Fortnite contre mes élèves, ou contre les viewers, ou contre voilà, les gens qui veulent venir. Je ne sais pas encore du tout comment j'organiserai ça. Je dois cumuler un total d'environ 45 minutes de jeu sur Fortnite. Ah ouais, ça va là où je regarde en gros, c'est ça.
Ouais. Oh, j'aime ce truc. Ouais, alors intéressant, je sais pas si c'est le mot juste, hein, parce que bon... Fazou. Fazou, c'est le père de Mulan. Et voilà. Petite référence bien placée. Ah, ça va, ça me met au milieu de la plateforme. Ils sont gentils. Alors, toujours pas, non. Fazou. Fa-Mulan. Donc, en gros, ça veut dire que son père s'appelle Zou. Hein. Arrête. Arrête-toi. Alors là, faut faire marche avant, marche arrière. Non. Alors, au pire, mon neveu, il faudrait pas qu'il débarque pour se mesurer à moi. Il faudrait qu'il débarque pour me carry, en fait. Je vais peut-être lui demander, ouais. Parce que lui, oui, lui, je sais qu'il touche un peu. Et moi, il me faut des gens pour me carry. Let's go! Raté. Voilà, ça, c'est fait. Il y avait une cage, hein, au début, au tout début du niveau. Mais j'ai pas trouvé de clé. Qu'est-ce que... Aïe. Il fallait... Est-ce que je vais mourir? Oh, à l'aide. C'est un boss. À l'aide. À l'aide. Il est beaucoup trop rapide. Est-ce que je l'attaque? Splatch. Je ne sais pas quoi faire. Là, je savais pas non plus qu'il faisait du Fortnite. Enfin, je l'ai vu faire plusieurs choses. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de barre de sprint. Je peux sprinter à l'infini. Quoi? Ah d'accord, il m'a tué. Allô? Je fais comment? Help me! Il court plus vite que moi. Il faut que je fasse quoi? Je veux bien, mais là, je... Parce que, ok, il me court dessus. Il y a zéro indication, il n'y a même pas un petit nom de niveau, rien. À l'aide. T'as fait le truc trop tard. Ah, zut. Là, je regarderai. Est-ce que je peux sortir du ring? Absolument pas. Cours, cours, cours. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien. Mais oui, clairement, comme dirait Zerator, c'est fait pour les enfants, un jeu. Et ça, les enfants, ils y arrivent, ça? Ils savent faire? Alors attends, le coup-pow, tout à l'heure, ça avait marché. Ouais, non, ça lui a rien fait du tout, mais au moins, ça me tue pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, à force.
Oh. On dirait que je l'ai touché. Cours correctement, s'il te plaît. C'est l'horreur. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vous le rappelle. Mince, j'ai dépassé, il est 36. Ben, je ferai le cut après ça. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, j'appuie sur la flèche du haut pour avancer et gauche et droite pour lui faire tourner à gauche et à droite. C'est pas du tout comme se déplacer normalement dans un environnement 3D. Je pense que c'est quand il est comme ça qu'il faut essayer de le tacler. Je suis remords. Cours, petit croc. Vite, 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 fonce dessus, fonce dessus. Yes, touché. Bon, je pense que j'ai compris, là, ça va le faire. Ah ouais, il est pas top. Non, non, moi je veux un PGM. Moi, je veux quelqu'un qui peut carry en toutes circonstances. Et deux, allez. Il faut le toucher, quoi, 3 fois, je pense. Quand même pour les enfants. J'ai mal au pouce à force d'appuyer comme un teuteux là-dessus. Cours. Mais il me lâche plus. Hein. On est d'accord que là, il me lâche plus. Hein. D'accord. Alors, je pense qu'on est à peu près sur le jeu. Peut-être pas le moins bien fini, mais... Enfin voilà quoi, le boss n'a pas d'animation, rien. Je l'ai tué, ça fait... Point barre. Appuie sur X pour continuer. C'est tout. Culbutoke. Oh, c'est un petit canard tout vert. Je pense. C'est vrai qu'il est peut-être un peu moins inatteignable que les autres. C'est vrai, c'est vrai. Ah, t'as fait le clip, Ishtar, t'as réussi. Eh bien, merci. Après, je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut notifier des gens dedans. Merci, Ishtar. Pas terrible ça. J'ai essayé de te mettre des applaudissements, mais on les entend à peine. Faudra que je pousse tout ça. Et ça. Ah ouais. Ah, mais mes trucs sonores font vraiment très peu de bruit en fait. Ouais. Ah ouais, ça fait vraiment peu de bruit. En fait, le son du jeu est tellement fort que ça bouffe tout. Bon, bah, il faudra que je pousse le son au maximum pour ma soundboard. Et puis c'est tout. Ouais, pareil, Skyheart, je suis pas très très fan. Ouais, il est globalement très bon. Par contre, c'est vrai que Skyheart est plutôt bon. Ouais. C'est... Comment dire, c'est un mec qui peut passer des heures et des heures à s'entraîner sur un truc, quoi. Quoi, je l'ai raté? Oh, les rires. À l'aide. Prends ça dans tes dents. Oula. Quelle est cette chose là? Qu'est-ce que... Ah mais attends, est-ce qu'il fallait pas monter sur un truc pour pouvoir grimper là? Oh non, il s'accroche. Il s'accroche. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, 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 ouais. Yes. Oh, ça c'est une clé. Ah ouais. T'as une sortie VTT, c'est trop bien ça, j'en faisais quand j'étais gamin, ça me manque, un truc de fou. Je préférais faire de la descente, mais j'ai fait beaucoup de cross-country, et c'était trop bien. Ouais, bah écoute, bonne nuit, et puis bah bon courage pour ta rando. Enfin, ta rando ou ton entraînement d'ailleurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que... il est revenu. Je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu du tout. Non mais c'est pas du jeu ça, les mobs qui repop en dessous de toi là. Toi viens là que je te...
Non mais c'est pas du jeu, hein. Pas du tout du jeu, ok. C'est quoi ce bruit? Oh. Ah bah c'est lui qui est revenu, d'accord. Et puis reviens quand tu veux, surtout. N'hésite pas. Non mais je veux pas que tu pousses le mur. Je veux que tu montes. Ah! Il va réussir à me faire tuer, hein. Incontrôlable. Bon, n'empêche, je suis pas trop mort, ça va. C'est un jeu pour 3 et plus. On va aller par là. On va bien voir. Ah oui, c'est une rando, ok. Bah, tu m'étonnes, 30 bornes, c'est déjà pas mal en vélo. Bah, et puis surtout, si t'as du dénivelé. Moi, dans la région où je suis, il y a zéro dénivelé, donc on craint pas grand-chose, mais... J'ai pas bien confiance en ça. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, voilà, comme ça, j'ai au moins un petit peu de... Qu'est-ce que c'est, ça ? Les bruits stressants. Ça, on connaît. Par contre, j'aimerais bien pouvoir incliner la caméra. Ah, qu'est-ce que quoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, ça c'est fait, ok. Oh là, j'ai eu très peur. Je pensais pas que c'était un qui vole. Depuis quand il y en a des qui volent? Ah, il est revenu en plus! Ville Gredin. Ah, 300 mètres de dénivelé. Ah, la gel. Pff, presque. La neige. Moi, j'adorais ça, la neige en VTT. J'adorais quand ça glissait, quand ça partait en couille et tout. Mais c'était... non! Trop bien. Je fais n'importe quoi. Bon bah du coup je vais descendre. Oui hein, là y a quelque chose là. Ouais. Ok. Voilà, comme ça c'est fait. Ah mais oui d'accord, ok je vois. C'est oui, ok, c'est la porte du bas. Eh salut Coyote. Comment ça va? Non, pas de ce côté, pas de ce côté, pas de ce côté, pas de ce côté, pas de ce côté. Lui il est méchant, il est méchant. Allez, vise bien, droit dessus. Voilà, superbe. Oh, la caisse est revenue. C'est trop bien. Est-ce que l'autre, elle est revenue, celle du milieu? Mais oui, 100%. Tout est revenu. Oh yes, bah vas-y, je vais me remplir les poches. Bah écoute, moi ça va. Bien. Ça me donne plus rien, mais c'est revenu. Non mais en plus, il fait la roue, lui. Il est sérieux. C'est quoi ce troll? J'essaye de l'écraser, il fait la roue. Peinard. Alors, je suppose que là, c'est le même traitement. Je vais avoir un petit papillon dedans. Allez, monte. Oui. Non, mais vraiment. Là, par contre, il faut que ça cesse, hein, les petits gars. Oh là là, et t'as encore moins de temps que dans Sonic pour récupérer tes gemmes. Alors non, j'ai pas acheté une console, je suis sur un émulateur. Donc j'ai téléchargé le jeu, mais c'est pas illégal vu que j'ai la version du jeu, je l'ai en réel. Donc c'est une copie de sauvegarde. Voilà. Mais j'ai toujours ma console, j'ai toujours ma PlayStation 1 qui est rangée dans une armoire derrière. Mais ça m'embête un petit peu de devoir acheter une carte de capture vidéo pour pouvoir capturer un jeu d'une console. Donc voilà, vu que l'émulateur fonctionne très bien. Oh yeah! Ça c'est du speedrun. Je devrais faire un speedrun de ce jeu. L'horreur vu comme c'est galère à contrôler. Ah j'ai même pas essayé les touches. Oh, y'a des strafes! Y'a des strafes! Qu'est-ce que... Hein?
Ça me fait quoi ça? Je peux bouger la caméra? Qu'est-ce que ça fait? Je peux mettre... D'accord, j'ai 3 niveaux de caméra. Ok. Allez, viens là, toi. Tiens, mange. Et j'ai raté une gemme. Ah, merci. Enfin, si on peut appeler ça une gemme. Alors. Oui, je peux y aller. Console rétro à 200€. Ouais, non, ça... Non, je vais pas mettre 200 balles dans une console qui... D'ailleurs, tu sais ce que c'est, ces consoles-là? En fait, ils te la vendent 200 balles. Sauf qu'ils ont payé aucun jeu, parce que tous les jeux qu'il y a dedans, c'est des jeux qui sont passés sous licence... licence collector et tout. Donc là, je dis que j'ai la version originale du jeu, du coup que je suis dans la loi et tout, mais en fait, ça se trouve, j'ai même pas besoin d'avoir la version originale, j'en sais rien. Hein. Ah, au secours, il m'a fait peur, lui. Mais il y a de fortes chances pour que les jeux soient libres, en fait, depuis le temps. Le jeu, il a 20 ans, quoi. Au bout d'un moment, je pense que la licence... Alors, on va essayer d'esquiver un petit peu ça, voilà. Ok, super. Yes. Donc, en fait, ils te vendent une console, ils ont payé aucune licence de jeu, donc t'es content, t'as plus de 10 000 jeux. Mais la seule chose que tu payes, c'est le hardware. Et le hardware, il n'y en a pas pour 200 balles, hein. Clairement... Avec un Raspberry Pi, tu te le fais l'émulateur et tout. Tu te fais ta console, quoi, donc ça vaut clairement pas ça. Tombe pas, mon gars, tombe pas. Ouh, j'ai eu peur. Est-ce que j'ai toutes les gemmes? Oui. Ouais, pour moi, c'est clairement de l'arnaque, donc... Donc ça m'attire pas spécialement. Alors attends, ça va fonctionner comment là? J'ai un petit peu peur. Ça, je tombe là si je tombe? Ça m'a l'air drôlement profond ça. C'est un piège, hein, on est d'accord. Je vois pas trop comment faire là. On teste? Bah non, il y a un truc en dessous. Ouais, ok. Aïe. Ah, fin du niveau. J'ai fait une glissade sur le truc. Carrément, ouais, il vaut mieux s'acheter une carte graphique. Enfin, tu la trouveras pas à 200€. Oui, là j'ai fait Lara Croft. Mais allô? Bon. Bah super, on te met plein de caisses à la file indienne et puis tu peux en prendre qu'une. Voilà. Ça, c'est pour apprendre la frustration aux gamins. Tu sais, c'est comme t'es dans un magasin de bonbons, t'en as plein partout, le gamin il est là, ouah! Et là, la mère qui lui dit, tu n'en prends qu'un. La déception. La déception est grande. Mince, j'ai toujours pas arrêté. À l'aide. Eh bien écoute YouTube, on va dire que c'est la fin de cette VOD. Après 50 minutes, voilà. Les prochaines, j'essaierai de faire en sorte qu'elles ne durent qu'une trentaine de minutes. D'accord? Allez, je te laisse YouTube, salut !